sommes là, tu sais. Ils ont mis les vélos PD Fixie, comme sur Paris, car le maire de Paris est PD. Comme c'est le maire de Toronto qui fume, se craque. Il... Donc il vous balance une bicyclette de meuf. Et mon jeune négro, et mon jeune, mon petit négro, mon jeune négro. Mon le roi est avec comme Tony Montana, même lorsqu'il manque de la vérité. En direct de l'ETS, en direct de l'ETS avec le roi Enoch, bien sûr, les choses se passent, beaucoup de fanatiques. Roi Enoch, parce que la radio Piranha, on a deux billets à offrir. Deux fanatiques pour le concert le 14 novembre prochain. De la semaine prochaine, on va demander à un fanatique de bien sûr, on va lui donner une paire de billets, bien sûr, directement. Parle-nous de ton spectacle pendant ce temps-là, Roy Enoch, le jeudi prochain. Le 14 novembre, au cabaret Underworld. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un défilé de mode. La marque Soldier Brand qui va présenter sa collection 2014, printemps. Printemps 2014, et il y a des surprises qui vont ouvrir. Et moi, je joue une heure de show intense pour les fanatiques de Montréal, tu vois ce que je veux dire? Donc, tu vois? C'est chaud ça. Ça va être ETS, tu vois ce que je veux dire? Parlons de tes shows, Enoch, c'est la première fois que je vois deux spectacles du roi Enoch back à back qui se donnent en l'espace de quelques mois. T'étais sur la rive sud il n'y a pas longtemps, non? Si, à Boucherville, il y avait de l'amour. Il y avait. Belle femme dans la place, mais tellement de femmes qui dansaient sur le son du roi que je me sentais mal, car moi j'ai des fanatiques qui sont hardcore, tu vois ce que je veux dire, qui sont vraiment plus des hommes, mais il y avait des meufs, tu vois, ça me fait plaisir de voir des meufs qui dansent sur le son, tu vois. Le roi Enoch donne l'amour aux femmes, bien sûr, il y a des gens qui donnent l'amour, c'est beaucoup d'énergie. Hein. T'entends? Je salue tous les fanatiques qui sont là, qui regardent. Ça se passe à fond, les femmes, les jeunes. T'entends? Ça se passe à fond ici, les vidéos technologies, la ETS. Ouais, les gros, tous ceux qui sont branchés sur l'Internet, qui nous écoutent en direct, tu sais, on est là, hein? Ouais. Si. Merci d'être en onde, tout le monde. On a le roi Enoch dans nos studios, bien sûr, avec Delucci, c'est chaud. Julien, le super producteur aussi, est dans la place. Ouais. Les choses se passent. Roi Enoch, dis-moi, à l'ETS, bien sûr, on ne peut pas contourner la question technologique. Est-ce que tu es Mac ou PC? Mac, toute la journée. Tout est Mac. Toute ma famille est sur Mac aussi. C'est comme croquer. C'est ce que je veux dire. Si. Si, on a le roi Enoch, les fanatiques sont là. Bien sûr, on va chauffer Roy Enoch, c'est un incontournable, bien sûr. On sait que le process est terminé. Qu'est-ce qui se passe maintenant avec... Le process est terminé super bien. Tout un petit peu de basse. Un petit peu de basse pour le micro du roi, c'est un petit peu de basse. Ouais, les gros. Tu montes un petit peu de haut. Le micro est un petit peu marqué, un petit peu de basse. Si. ETS. Tu vois ce que je veux dire? ETS. Non, au décrochage, hein, rester à l'école. Hein. Jamais. Non, au décrochage, je me répète. Roy Enoch, le procès est maintenant terminé, c'est chose du passé maintenant. C'est quoi les projets qui s'en viennent pour le Roy Enoch? Calico Musique, un album en commun avec des partenaires de Queensbridge. Tu vois ce que je veux dire? Donc, la moitié de l'album est fait en français et le reste, c'est en anglais. Donc je retourne aux sources, dans le Queens, et je explique sur l'album d'où mon style vient, d'où mon son, d'où mon genre, tu vois ce que je veux dire. Mm-hmm. Parce que lorsque je rappe avec des mecs comme Infamous Mob, on parle du même type de truc, tu vois. Mm-hmm. Donc les gens vont mieux comprendre d'où vient mon style, tu vois ce que je veux dire. Et, le pourquoi de la façon que je crache le feu de la façon que je le fais, tu vois ce que je veux dire? Calico Musique. Calico Musique qui s'en vient en 2014. 2014, au commencement de l'an, même un premier vidéo va sortir dans quelques semaines. Je confirme. Mafioso. Ça va être fort, fort, fort. Je viens très chaud. Donc ça va être assez chaud. On a réalisé et tourné les images du vidéo dans Queensbridge, la maison de Nas, Mandy. Tu vois ce que je veux dire? Donc Queensbridge, moi j'ai fait 10 ans de ma vie dans les HLM de Queensbridge qui m'ont affiné, tu vois ce que je veux dire?
voilà de pourquoi le rap de Roy Enoch est de haute technologie. Tu vois ce que je veux dire, de technologie supérieure. Bien sûr, comme à ETF, bien sûr, c'est comme ça que ça se passe. Roy Enoch, si tu me permets, on va mettre un gros son, bien sûr, de ton album, bien sûr. Si, si. Donc, on présente bien sûr des tonnes de produits du Roy Enoch. Vous écoutez le son du DJ Big Rod avec en direct de l'ETS, de l'outil Roy Enoch Junior, le super producteur. Dis-moi Enoch, tu as donné, tu as reçu de l'amour de la rive sud, maintenant il va avoir de l'amour. Carl. C'est ici les choses se passent. Il va avoir de l'amour en France et tout. Est-ce que tu retournes en France bientôt ou quoi? C'est en 2014, je m'occupe de la France car les Français réclament leur roi, tu vois ce que je veux dire. Donc il faut que je passe un passage dans toute la France, même à Marseille, Lyon, tu vois ce que je veux dire. Et que je touche les fanatiques, tu vois ce que je veux dire. Car j'ai beaucoup de gens qui me demandent. 2014, car en 2013 c'était le procès. Ça fait 5 ans et demi que je me battais pour ma liberté, tu vois ce que je veux dire. Car le procès c'était quand même quelque chose de assez gros, tu vois ce que je veux dire. Donc, maintenant que j'ai été acquitté, je peux me concentrer vraiment sur ma carrière, tu vois ce que je veux dire, et performer et sortir. J'ai un film qu'on est en train de tourner, ça va être assez chaud, tu vois ce que je veux dire. Donc la tournée, les albums et tout, je vais être dans les mains pleines. Plus que j'ai une petite fille qui va naître, c'est pour le 17, tu vois ce que je veux dire, 17 novembre, j'ai une petite fille qui s'appelle Arlia, tu vois ce que je veux dire, qui va naître. Félicitations, Arlia, tu vois ce que je veux dire, car moi je suis un gros fanatique de... Tu vois ce que je veux dire. Ça va être la princesse. Si, si. Arlia, j'étais tellement parfaite, tellement, tu vois ce que je veux dire, le genre de femme qui est morte tôt, tu vois. Donc c'est en son nom que j'ai nommé ma fille Arlia, tu vois ce que je veux dire. On va y aller avec une première question de fanatique, bien sûr. On a Jules qui nous a écrit, qui veut savoir comment tu gères le risque en 2013. Jules, les choses se passent à fond. Jules, on gère le risque car on est ETS, tu vois ce que je veux dire. Tu vois ce que je veux dire, on se renseigne et on reste pointu sur tout ce qu'on fait. Tu vois ce que je veux dire. Et une autre question, je vais y aller pour la question d'Alexandre qui veut savoir, est-ce qu'on va voir un jour le Roy Enoch dans un rap battle? Est-ce que c'est le genre d'aspect de ton rap que tu vas emmener? Lorsque j'étais plus jeune, je faisais ça grave. Mais dans un niveau que je suis, je laisse ça pour ceux qui sont bons dans ce truc. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a qui font ça à chaque jour. Moi, je suis plus un mec qui rappe pour longtemps. Je rappe pour que dans 10 ans que les gens y comprennent. Donc je me concentre sur une autre forme d'art. Je respecte ceux qui font le battle, tu vois ce que je veux dire, la compétition. Bon, dis-moi Enoch, on s'en va sur la musique, on va écouter Dieu accorde-nous ton pardon. On sait que c'est un son que tu affectionnes particulièrement, ça. Si. Qui est sur ce son? Il y a le Gwen Mofoumine qui vient du 9-3, 9-3, la maison de Caris, la maison de Matt Tailleur, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est mon négro du 9-3, la maison de Alibi Montana et le Gwen Mofoumine et moi ont participé sur ce morceau qui est très 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 lourd, tu vois ce que je veux dire. Enfin, c'est chaud, on écoute ça en direct à l'ETS, bien sûr. On salue encore la foule, faites du bruit s'il vous plaît, pour le roi Enoch. C'est un long décrochage, l'outil dans le bâtiment, négro. Salutations à Mario qui est dans la place, qui est sapé frais, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Les meufs l'aiment. Je représente la rive sud. Si. Si, nous sommes de retour avec le Roy Enoch, le Lucci, Junior, le super producteur, tout le monde est la place. C'est Radio Piranha. C'est chaud. Il y a de l'amour ici, t'entends Radio Piranha, ça se passe à fond. DJ Rod, Mario, ça se passe, t'entends toute l'équipe, ça se passe. ETS, on est dans la place, ça devient vrai ici. GG dans la place. Le 14 novembre au cabaret On The World, jeudi la semaine prochaine. Venez vous amuser avec le roi, t'entends? À fond, hein? Alors le roi, j'ai ici un fanatique qui veut te poser une question. Si, pas de soucis. On sait que tu viens d'origine de la Rive-Sud, alors c'est quand le prochain vidéoclip que tu vas
retourner sur la liste de Rive-Sud. Rive-Sud, moi je suis sur Montréal, mais je représente la Rive-Sud car il faut toujours se rappeler d'où l'on vient. Même si j'ai fait 10 ans dans les HLM de Queensbridge, je suis quand même de Saint-Hubert de la Rive-Sud. Donc, je représenterai toujours la Rive-Sud, mais je vais essayer de prendre quelques images sur la Rive-Sud, tu vois ce que je veux dire, juste pour satisfaire les fanatiques. Si, c'est chaud. C'est parlant chaud. De Rive-Sud, il y a un morceau sur l'album qui s'appelle Rive-Sud, Rive-Nord. On a De Lucci qui est là de la Rive-Nord. Ouais, c'est gros, on va le performer. Hein. Nous allons performer aujourd'hui. À la fin, si. Tu vois, moi je vais de la Rive-Nord, comme il dit. J'ai apporté mon style. Rive-Nord. Rive-Nord, tu vois, c'est plus la rue, c'est plus les femmes, c'est plus les cabarets. Les chèques fraudés. Mais tout en Rive-Sud, restant. Rive-Sud, c'est l'hydroponique. Tout en restant éduqué, hein, tu vois. Hein. On a tout à été bien élevé. Des styles, toujours bien habillé et tout, et on continue à faire sur le son la même technique qu'on fait quand on marche dans la rue. De Lucci est sur le rap, Laurent Polo à temps plein. Chaque jour, Négro de la tête au pied, on m'appelle polarisé. Si. Ouais, c'est chaud dans la place. Enoch, tu nous parlais qu'il va avoir un prochain album, Retour aux sources en anglais. Non, moi je rappe en français, mais je rappe avec les anglophones pour faire un moitié, mais c'est moi qui fais toute la production. On a filmé les vidéos à Queensbridge, comme je te disais, pour que les gens qu'ils soient renseignés sur d'où je viens. Tu vois ce que je veux dire avec mon genre de rap. On a une question de Justin qui voulait savoir, est-ce que le rap français du roi est aussi brûlant que son rap anglais? Mais le roi reste dans le rap. Jamais je ne rappe en anglais car ma première langue est le français. J'ai un désavantage devant des mecs comme Prodigy de Mobb Deep, mais en français, je l'allume. Et en anglais, lui, c'est lui qui le gagne. Donc, je représente ce que je suis, tu vois. Donc, de retour en onde avec le Roy Nock, De Lucci, DJ Big Rock. Alors, j'ai ici une autre question d'un fanatique, Emmanuel. Roy Nock, t'as sorti des capsules vidéo Le Monde selon Roy Nock. Alors, il voulait savoir, est-ce qu'il va y avoir des suites ou d'autres capsules vidéo? En ce moment, j'essaie de programmer les gens pour la musique, donc mais je vais sortir un film. Ah ouais? Ouais, je vais sortir plus de musique, des vidéos de musique, mais je vais sortir un film. Quel genre de film? Ça flingue, c'est des super nègres. Ah ouais? Tu vois ce que je veux dire? Cette réalité. Il y a des jeunes blancs, il y a des arabes, il y a toutes les races, et ça se passe au Québec, en monde. Je te résume ça vite. Ok. À la fin du film, tous ceux qui font, qui sont toi t'es dans les ventes de drogue, l'autre il coupe le corps lorsque t'as des cadavres, tu vois ce que je veux dire. Tous les acteurs du film vont vivre. Ça va être comme des super vendeurs de drogue. Je comprends. Ça c'est prévu quand cette sortie? C'est déjà entamé ou on a commencé à faire la première scène? Ok. Ça va être un vrai film. J'essaie de mettre de l'action, du verbal, des larmes. Ouais. Je comprends. Parce que j'essaie vraiment de faire ça chaud là. Je comprends. Et avec du gros son. Et que ça soit fait ici. Professionnel, de manière professionnelle. C'est ça. C'est dis-nous, Enoch, tu as des projets cinématographiques? Est-ce que tu as des projets de télévision? Est-ce que tu as été approché par la télévision d'ici ou française? Ici, ils sont craintifs du roi ici. Tu vois ce que je veux dire? Plus au niveau de l'Europe. Ici, ça approche pas. Il y a la presse qui m'a donné de l'amour lorsque j'ai gagné mon procès. Tu vois ce que je veux dire? Lorsque j'ai été acquitté. Mais à part ça, ils sont frileux ici. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus les jeunes qui me donnent de l'amour. Tu vois ce que je veux dire? Les jeunes sont sur le truc. Et ils me reconnaissent, savent. Mais les plus vieux, les boomers, ils gardent le pain pour eux. Ils ne partagent pas avec mon genre de rap. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, si. Mm-hmm. Roy Nock, qu'est-ce que les fanatiques seraient surpris d'apprendre sur le roi? Sur le roi que moi je cuisine. Tu vois ce que je veux dire? Chaque jour je cuisine comme une espèce de malade qui cuisine. C'est vrai, j'ai déjà goûté. Des plats végétariens, quelques volailles et poissons, mais je suis plus un mec qui est sur le végétarien car l'hydroponique que j'injecte dans mes poumons pour créer l'art est déjà un maximum de destruction. Tout le reste, je suis sur un système vraiment de la Gestapo lorsqu'il s'agit de manger. Je mange comme un Belge. Okay. C'est en mode universitaire, négro. En mode universitaire, on baise leur race.
ça caille, hein, ouais. Ça caille, donc je mets les vestes de plumes noires, ça caille, ça rafle.